Salut tout le monde, c'est Takamura pour GameActuality.com. Alors là, on va se retrouver pour Pokémon encore sur PC. Ce sera l'épisode 2 Sapienza. Alors là, on se retrouve sur Hitman sur PC, le dernier. Et là, on va entamer l'épisode 2 Sapienza. Alors du coup, dans cette mission, on aura trois objectifs à atteindre. On aura les deux cibles humaines. Et l'autre objectif, ça sera de détruire un virus. Alors voilà, on quitte notre journal pour entamer notre mission. Alors, on va se diriger dans ce petit appartement là. Hop. Alors directement dans l'inventaire, vous avez déjà une clé qui va me permettre d'ouvrir cette porte que l'ACA là m'a passé avant de commencer cette mission. Alors directement sur votre droite, vous allez prendre cette balle de golf explosif. Hop. Sortir ici, sortir par le toit et descendre juste sur votre droite. Hop. Voilà. Alors directement aussi sur la droite, vous allez prendre le costume de garde de manoir. Au plus vite, on va retourner où on était. Sauf que là, on va pas passer par la porte. On ira directement dans cette petite ville. Enfin, directement dans la cour. Plus précisément. Bonjour les amis. Alors voilà, là, on va aller à gauche sur la porte. Ne t'inquiète pas, courir va pas être une distraction. Et ça va pas perturber nos ennemis là de nous. Ouais, de nous repérer, ouais. Alors là, vous allez faire extrêmement vite, passer par là parce que cette personne là peut nous repérer facilement. Alors on est passé par le grenier. Là directement, vous allez tout droit. Et là directement sur la gauche, il y a une porte, vous allez la prendre. Passer par le toit, dans le petit coin là, dans l'angle. Et hop, sauter. Se retourner. Et là on va attaquer la deuxième fille qui est la femme, une scientifique. That is Francesca DeSantis. On va prendre ce coupe-papier. Alors là dans cette salle il y aura la cible et un garde. Et là je vais vous montrer comment on peut la tuer sous l'œil de ce garde. Faudra agir rapidement et promptement. Alors là, vous allez attendre qu'il aille vraiment dans le coin. Et hop, vous allez prendre la carte d'accès et son corps pour pas que le garde alerte ses camarades. Je conseille de la cacher juste ici. Comme ça, personne va aller vers la fenêtre. Là, vous allez prendre cette porte là. Et là, voilà, c'est le même chemin qu'on avait pris dans les escaliers. Et là, vous allez aller tout droit, tout au fond du manoir. Et aller sur votre gauche. Et là, on va placer la balle de golf que j'ai prise là à l'appartement. Ce sera une balle de golf explosif. Et que notre ami va souhaitement valser avec son club. Alors là, j'ai tout mon temps. Le temps qu'il aille dans son petit terrain de golf. Passer par ce petit chemin qui va nous donner accès au laboratoire où le virus s'y trouve. Hop, j'entre. J'éteins le courant. Comme ça, il y aura un des scientifiques qui va venir voir le problème. Et là, j'attaquerai pour prendre son costume. Mettez-vous bien dans le coin pour pas qu'il vous repère. Et voilà, là vous allez l'attaquer directement.
prendre sa tenue et on va cacher son corps dans ce carton. Bon, on va faire... on va créer l'illusion encore, on va activer le courant comme si rien ne s'était passé. Alors là, ce scientifique peut nous voir. Il peut discerner notre identité et le virus se trouve juste là, mes amis, tout au fond. On va d'abord maîtriser ce scientifique qui peut nous gêner dans l'attaque du virus. C'est la tâche extrêmement difficile. Faudra, avec notre silencieux, attaquer directement le virus qui se trouve là-bas. Vous pouvez le voir là, avec le petit objet rouge là, qui est tout au fond. Voilà, alors là, il y a déjà notre ennemi là, qui est directement au-dessus de nous là, qui va frapper sa jolie balle explosive. Et voilà. Ça c'est dur, mais on l'a fait. Et directement, notre sortie se trouve là, dans l'hélico. Et nous allons le prendre et partir de Sapienza. Alors mes amis, voilà, c'était la dernière vidéo de Hitman. Comme je l'ai dit, je fais mon speedrun, c'est juste pour vous montrer comment moi je peux le faire. Bien sûr, il y a des niveaux assez avancés. Mais voilà, c'est comme ça. Salut !